Salut les amis, bienvenue dans la cuisine de Marina. Aujourd'hui, je vais réaliser un bon bouillon de silure, bon du poisson chat. Vu qu'il commence à faire froid, oh là 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 là, un bon bouillon chaud là, non, bien épicé. J'aurai besoin du poisson chat, voilà, du poisson silure, hein. Deux tomates, quelques gousses d'ail, les feuilles de laurier, un oignon, le poivron jaune. Et le poivron rouge, voilà. Si vous n'avez pas le poivron jaune là, vous pouvez remplacer par le poivron vert ou vous laissez comme cela. Je vais couper le poisson silure. Les amis, vous pouvez passer vos commandes de tout type de poisson sur le site internet envidafrique.fr. Eux, franchement, ils font le poisson chat, le poisson vivano, le capitaine bar, le kandratiki, le poisson tilapia. Franchement, il y a tous les poissons là-bas sur ce site. Hein. Passez vos commandes. Voilà, je vais couper la tomate comme dans la vidéo. Les amis, s'il vous plaît, à l'entrée de jeu, prenez une petite pause de 5 secondes. Cliquez sur le bouton j'aime. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, mais il y a un tout petit souci, c'est que vous ne likez pas. Mes abonnés de Facebook et YouTube, s'il vous plaît, mettez un bouton, mais en fait, mettez un pouce bleu. Likez, partagez, identifiez ou taguez vos amis dans les commentaires. On ne sait jamais, ça peut aider pas mal de personnes. Hein. C'est important d'encourager les créateurs de contenu. Voilà, c'est gratuit, s'il vous plaît, les amis, likez. Alors, j'aurai besoin des plantains jaunes, le plantain bien mûr, là, du riz que je vais laver. Je vais allumer le feu, je vais ajouter la casserole, je vais ajouter un peu d'eau. Voilà, vu que j'ai déjà allumé le feu. Je vais mettre le poisson silure. Bon, le poisson chat, l'oignon que j'ai coupé en dés, les quelques gousses d'ail que j'ai bien pilé là, non. Le poivron jaune, le poivron rouge que j'ai haché. J'ai haché le poivron rouge là. Après, vous pouvez couper en dés comme j'ai fait. La tomate, le bon cube tous usages, c'est du bouillon. L'assaisonnement de bouillon qui est disponible sur mon site internet, lacuisinedemarina.com, les feuilles de laurier. Et beaucoup d'eau, vous voyez, non? L'eau doit bien remplir la casserole. Là. Je vais bien mélanger le tout et je vais laisser mijoter à peu près 10 minutes à feu. Pas à feu moyen, mais à feu, les amis. Voilà. Et aussi, les amis, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent les vidéos, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà, c'est abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les différentes recettes que je vais souvent publier. Activez aussi la cloche de notification sur, voilà, sur Facebook hein, et sur YouTube. Hein. Comme ça, vous n'allez pas rater mes recettes. 10 minutes après, vous voyez comment ça commence déjà bien cuit là, non. Je vais ajouter le plantain bien mûr là, non. Un piment bien rouge, bien épicé là. Le piment, c'est ça pique. C'est bien, 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 bien épicé là. Je vais encore laisser mijoter 10 minutes. Les amis, cette recette est facile et rapide à faire. Ça vous prend environ 30 minutes pour réaliser ce bouillon, ce plat-ci. Je vais ajouter le persil et je vais ajouter l'huile d'olive là, non. Les amis, franchement, si vous ne voulez pas rester longtemps à la cuisine là, cette recette, ce n'est pas mal. Et aussi, vu qu'il commence déjà à faire froid. Franchement, cette année, si je ne comprends rien, le mois de septembre, normalement, il fait très, très, très beau. Mais le froid a commencé. Bon, moi, je commence déjà à faire aussi mes recettes d'hiver, là, non. Là, je vais bien mélanger le tout. N'oubliez pas de taguer, identifier la famille. On ne sait jamais, ça peut aider pas mal de personnes. Et aussi, s'il vous plaît, je vais me répéter, likez les amis. Voilà, là, c'est bon, c'est prêt. On va passer à la présentation. Et aussi, les amis, si vous n'avez pas d'idée de recette que vous voulez réaliser dans la journée ou dans la semaine, allez sur la barre de recherche Facebook ou YouTube. Écrivez « La cuisine de Marina ». Vous allez tomber sur toutes mes publications vidéo. Il y a énormément de recettes qui peuvent vous aider au quotidien. Voilà, si vous n'avez pas assez de budget, vous n'avez pas assez de temps, vous ne voulez pas rester longtemps à la cuisine, là, allez regarder mes anciennes vidéos. Vous allez voir, il y a tellement de recettes qui vont vous aider là. Regardez vous-même la présentation de ça. Le bouillon de ça. Un bouillon rapide à faire là. Oh là 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 là, comment c'était bon. Eh? La cuisine de Marina de ça. Ah là 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 là. Bon, moi je vais bien déguster ça non. Et on se dit à demain les amis pour une nouvelle recette. Bon appétit et bonne dégustation.
Et oui, n'oubliez pas de passer vos commandes des assaisonnements sur mon site internet lacuisinedemarina.com. J'expédie au Canada, à Dubaï, en Chine, en Europe, en Asie, en Amérique. Voilà, je vous mets toutes les informations dans la description. Le numéro de commande SAV dans la description. Je fais énormément d'épices, les amis. Le cancan, l'épice cancan, le poivre blanc de Penja, le poivre noir, le Njansa, le Akpi. Franchement, il y a tellement d'épices. Je fais aussi les appareils de cuisine, les machines de cuisine, le kaolin et la gila. Allez regarder mon site et je vous mets le numéro de commande dans la description.